Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle conférence. C'est une conférence qui se déroule dans le cadre de la Semaine du cerveau de Toulouse 2022 et qui est accueillie par le Quai des Savoirs, donc avec qui on a un partenariat depuis longtemps. Cette conférence s'inscrit dans le cadre de leur exposition Esprit critique qui aura lieu, qui est en cours et qui aura lieu jusqu'au 6 novembre 2022. Donc n'hésitez pas à venir la voir. Merci à ceux qui sont présents dans le public. Ça fait toujours plaisir de voir des têtes et de faire des événements en présentiel. On est absolument ravis. Donc, merci à tous. Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bastien Trémolière. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en psychologie cognitive au laboratoire Clé, cognition, langue, langage et ergonomie. Et vous allez nous parler aujourd'hui des biais cognitifs de notre cerveau. Le titre de votre présentation, c'est « Pour le meilleur et pour le pire ». Où nous mettre notre raisonnement. Donc, je vais vous laisser nous exposer tout ça, et puis ensuite, il y aura des questions du public que j'espère nombreuses. Merci. Merci, Laure. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, un grand merci à toutes les personnes de l'organisation, de la Semaine du cerveau et également du Quai des Savoirs, qui me permettent de vous faire cette présentation dans ce lieu qui est assez exceptionnel. Alors, pour le meilleur et pour le pire, où nous mène notre raisonnement? Alors, nous avons compris que nous, les êtres humains, nous avions la chance d'avoir un objet, un organe, notre cerveau, qui nous permet de faire beaucoup de choses, qui nous a certainement hissés tout en haut en tant que maître de notre planète Terre. Ce que je veux dire, c'est que notre cerveau nous permet notamment de raisonner, avec toute la plus-value que ça apporte, mais il n'est malgré tout pas sans faille. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques exemples rapides de l'efficacité de notre cerveau, mais je prendrai beaucoup plus de temps pour discuter un petit peu des chemins parfois discutables, parfois questionnables, que notre raisonnement en particulier peut nous faire emprunter. Alors, lorsqu'on travaille sur le raisonnement, on aime bien poser des questions, des problèmes de raisonnement. Je vous présente Bob, Esther et Paul. Bob, il regarde Esther. Esther, elle regarde Paul. Paul regarde le mur. Nous savons que Bob, il est marié et que Paul n'est pas marié. Donc, il n'y a pas de tricks ou autre. La question que je vais vous poser, c'est la suivante. Est-ce qu'il y a quelqu'un de marié qui regarde quelqu'un qui n'est pas marié? Je vous laisse un petit instant de réflexion. Trois possibilités de réponse. Oui, non ou on ne peut pas savoir. Allez, je me lance. Qui dirait non, il n'y a pas quelqu'un de marié qui regarde quelqu'un de pas marié? Qui dirait oui, il y a quelqu'un de marié qui regarde quelqu'un de pas marié? Qui dirait on ne peut pas savoir? Bon, bravo. Alors, pas bravo à la majorité des personnes qui viennent de lever la main sur on ne peut pas savoir. Bravo aux personnes un petit peu plus rares juste avant qui ont dit oui, il y a quelqu'un de marié qui regarde quelqu'un qui n'est pas marié. C'est la bonne réponse. Nous sommes sûrs à 100% que, quelle que soit la configuration, quelqu'un de marié regarde bien quelqu'un qui n'est pas marié. Pourquoi? De manière générale, on s'arrête très très vite sur notre raisonnement. On ne connaît pas le statut marital d'Esther, effectivement, on n'a pas accès à cette information. Si on prend un petit peu plus le temps, quel que soit son statut à Esther, dans tous les cas, on pourra répondre par l'affirmative. Supposons qu'Esther, elle soit mariée, elle regarde Paul, qui lui n'est pas marié, ça fonctionne. Supposons qu'Esther, elle n'est pas mariée, eh bien c'est Bob marié qui regarde Esther, qui elle n'est pas mariée. Ce qui est assez intéressant, c'est que je suis à peu près sûr d'avoir convaincu tout le monde, et je suis à peu près sûr que si vous revoyez, excusez-moi, le problème, vous allez savoir y répondre, parce qu'il n'est pas complexe. On a un problème ici qui n'est pas complexe, et malgré tout, on est souvent une très grosse majorité à se tromper là-dessus. Alors, pour expliquer ça, je fais référence à un chercheur, un psychologue, Daniel Kahneman, un chercheur israélien. On entend souvent parler de ce chercheur, en tout cas dans le milieu académique. Pourquoi? Parce que c'est le seul psychologue qui a eu un prix Nobel d'économie, en l'occurrence. En 2011, il sort un ouvrage qui s'appelle « Thinking Fast and Slow », dans lequel, finalement, il va compiler des années de recherche sur notre manière de raisonner, sur notre raisonnement lorsqu'il est bon, mais également sur notre raisonnement lorsqu'il est beaucoup moins efficace. Et ces années de recherche ont permis d'arriver à une certaine synthèse et à la proposition suivante, c'est que nous, les êtres humains, nous aurions deux possibilités pour raisonner, deux moyens de raisonner, ce que l'on appelle les théories dual process ou les modèles à deux vitesses en français. Le premier moyen, c'est le système 1,
Ce système 1, il vient avec différentes propriétés. Il fera appel à des opérations qui seraient particulièrement rapides. Ces réponses, elles arriveraient quasi automatiquement à la pensée. On utiliserait ce système 1 quotidiennement. On suppose d'ailleurs qu'évolutionnairement parlant, il est très ancien, peut-être partagé avec certaines espèces animales. Mais par contre, le système 1, on le voit en bas, il est particulièrement sujet à des erreurs. Ce que l'on appellera, et j'y reviendrai par la suite, à des biais cognitifs. À l'inverse, nous avons un deuxième moyen de raisonner, ce que l'on appellerait le système 2, qui lui a des propriétés qui sont totalement opposées à celles du système 1. On dit qu'il fait appel à des opérations qui sont lentes, à un effort conscient. Il nécessite un effort cognitif. Alors en psychologie cognitive, on aurait tendance à dire qu'il nécessite de mobiliser des ressources cognitives. Et pour parler très simplement, il nécessite que l'on prenne du temps, que l'on réfléchisse, que l'on porte attention à des problèmes. Il est particulièrement utile dès lors que nous engageons dans des décisions qui sont complexes et contrairement au système 1, il est relativement fiable. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a des situations quotidiennement où le système 1, qui opère très facilement, il marche très très bien. Il y a d'autres situations dans lesquelles nous allons devoir en fait mobiliser le système 2. Moi, je m'intéresse à un troisième type de situation, à des situations où le système 1 va nous dire « va à gauche » et le système 2 va nous dire « va à droite ». Dans ces situations dans lesquelles on parle de conflits cognitifs de raisonnement. Alors, la manière dont nous, les êtres humains, les individus, on va résoudre ce conflit cognitif de raisonnement, eh bien, ça a donné lieu alors, à une certaine dichotomie, ce qu'on appellerait le style cognitif de raisonnement. Les personnes qui vont avoir tendance, dès lors qu'elles sont en situation de conflit, j'insiste bien, à rester sur les intuitions, on va dire qu'elles ont un style intuitif. Les personnes qui, elles, vont arriver à inhiber ces intuitions, à les laisser de côté, à faire cet effort de pensée supplémentaire, on va dire qu'elles ont un style analytique. Maintenant, je vais commencer avec la première situation, montrer eh bien, en quoi cette résolution du conflit, si je suis plutôt analytique, si je suis plutôt intuitif, eh bien, comment maintenant ça va transparaître réellement dans différentes activités quotidiennes. La première, un de mes champs de recherche, le jugement moral, c'est la suivante. La personne que vous voyez ici, elle s'appelle Randy Blythe, c'est un chanteur de métal. En l'occurrence, le chanteur du groupe Lamb of God. Il s'avère qu'en 2010, ils ont donné un concert à Prague, en République tchèque. Ce qui se fait très souvent dans les concerts de métal, c'est de monter sur scène, le public monte sur scène, ponctuellement, pour sauter dans le public, ce qu'on appelle slammer. C'est ce qui s'est passé ici. Sauf que souvent, les groupes en ont un petit peu marre et ont tendance à repousser les individus. Un fan, Daniel Nosek, un jeune de 19 ans, est monté sur scène. Randy Blythe l'a repoussé hors de la scène. Le drame arrive, il retombe sur la tête, traumatisme cérébral, il tombe dans le coma avant de décéder. La question que je pose, comment vous jugeriez l'acte, la transgression de Randy Blythe? Est-ce que vous seriez sensible en particulier à la conséquence dramatique ou est-ce que vous feriez une analyse en vous disant mais est-ce qu'il l'a fait exprès ou pas? Cette situation, elle est particulière, en l'occurrence, on parle ici de transgression accidentelle. Si je dis qu'elle est particulière, c'est que les transgressions accidentelles, elles mettent en avant également un conflit entre deux processus, deux analyses. J'en ai parlé rapidement. Lorsqu'on juge ou lorsqu'on évalue des transgressions accidentelles, eh bien, on va porter notre intérêt ou une première analyse sur la conséquence. Est-ce qu'il y a une conséquence dommageable, oui ou non, mais également sur l'intention. Est-ce que la personne qui a mené cette conséquence négative, est-ce qu'elle avait l'intention, oui ou non, d'y arriver? Ici, la transgression accidentelle, elle met en avant le conflit. Pourquoi? Parce qu'on a bien une conséquence dommageable qui est présente, mais on a une absence d'intention. Ce qui est intéressant, j'ai évoqué rapidement ces modèles à deux vitesses, c'est qu'ils existent aussi, ils ont été adaptés pour la question du jugement moral. De manière générale, on a tendance à dire que l'analyse de la conséquence est très rapide, ferait écho au système 1, et qu'à l'inverse, l'analyse de l'intention serait beaucoup plus lente, nécessiterait de laisser de côté l'analyse de la conséquence, qui elle était très forte, très émotionnelle, et de réfléchir plutôt pour essayer de faire une analyse au niveau de l'intention. Si on comprend que ce conflit cognitif dont je vous parlais pour le raisonnement s'applique aussi au jugement moral, on peut dès lors faire en fait des prédictions qui sont très très simples. Plus je suis analytique, plus dans le jugement moral je devrais porter attention à l'intention, et moins je devrais être uniquement sensible à la conséquence.
Pour faire ça, je vous le passe très rapidement, on utilise des scénarios. On demande à des participants de répondre à nos études et on crée différents scénarios. Je vous le lis rapidement, un scénario accidentel. John prend un cours de sculpture, il travaille avec un partenaire pour souder des pièces. Il demande à son partenaire de tenir la pièce de métal de manière à simplifier le travail de soudure. Malheureusement, John, il ne sait pas que la chaleur, elle va traverser le métal et brûler la main de son partenaire. John, au final, soude la pièce de métal, la chaleur se diffuse, ce qui a pour effet de brûler la main de son partenaire. On comprend bien qu'il y a une conséquence dommageable, mais qu'il n'y avait pas d'intention mauvaise. Si je continue, pour contraster, une blessure intentionnelle, dans laquelle on a et la conséquence et l'intention, c'est le même scénario, si ce n'est la partie en gras. John pense que s'il soude la pièce de métal que son partenaire porte, la chaleur va se transporter à travers le métal et brûlera la main de son partenaire. Et il fait quand même l'action. La différence qu'on en a ici, c'est sur l'intention. Maintenant, ce que l'on a fait, on a utilisé différentes mesures de raisonnement et on a regardé est-ce que vraiment notre raisonnement prédisait, est-ce que notre style de raisonnement prédisait l'issue, la sévérité du jugement moral. Alors, ne prenez pas peur, ce sont certainement les graphiques les plus complexes que je présenterai aujourd'hui. Voilà comment ça se lit. On a ici nos résultats sur des transgressions accidentelles. Ce qui est important pour nous, c'est de regarder la ligne verticale qui est tout à droite, d'accord, en pointillé. Il faut comprendre que tous les éléments qui vont être à gauche de cette ligne veulent dire la chose suivante. Plus je raisonne bien, plus je suis analytique, moins je suis sévère. Si les éléments étaient à droite de cette ligne verticale, cela voudrait dire que plus je suis analytique, plus je suis sévère. Et dernière subtilité, ce que l'on veut, c'est que ces barres-là particulières que l'on voit à gauche, on ne veut pas qu'elles recroisent cette droite verticale. Ce qui est le cas ici. Ce que vous avez comme résultat, ce sont différentes mesures du style de raisonnement. Je ne prends pas le temps de les décrire, REI, NFC, CRT, etc. Dans chaque cas, avec chaque mesure que nous avons utilisée, nous trouvions le même résultat. Plus les gens étaient analytiques, plus ils arrivaient à laisser les intuitions de côté, moins ils étaient sévères, maintenant, vis-à-vis de la transgression. On l'observe sur des transgressions accidentelles. Est-ce qu'on a la même chose sur des transgressions intentionnelles ? Non. Ici, je vous demande de me faire confiance. Dès lors que vous voyez une barre qui traverse, qui croise cette verticale en pointillé, cela veut dire qu'il n'y a pas d'effet. Notre style de raisonnement ne prédit pas la sévérité d'un jugement moral sur des transgressions intentionnelles. Nous l'avons fait, nous avons différentes catégories, ça ne marche que sur les accidents, parce que ce sont certainement les seuls qui déclenchent un conflit cognitif. Alors, pas d'inquiétude, ici je vous ai montré très rapidement comment notre raisonnement pouvait intervenir de manière classique dans la chose du raisonnement. Ce qui m'intéresse quand même beaucoup plus aujourd'hui, c'est d'essayer de mettre en avant comment il nous amène justement, je le disais précédemment, vers des chemins peut-être que l'on peut questionner. Ce style cognitif de raisonnement, en fait, il prédit tout un tas d'activités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il prédit tout un tas d'activités qui s'éloignent du seul champ du raisonnement. Par exemple, il prédit les croyances qu'ont certains individus en la vie après la mort. Il prédit nos croyances, les croyances en l'astrologie, en la perception extrasensorielle, les médiums, la religion, les médecines alternatives, les croyances en l'homéopathie, nos tendances ou notre propension à aller jouer à des jeux de hasard dans lesquels il n'y a strictement aucun contrôle, ou encore les théories du complot. Je ne prendrai pas le temps d'en discuter un par un. Là où je vous demande de bien comprendre la chose, c'est que les résultats sont systématiquement cohérents. Plus les individus sont analytiques, moins ils endossent ce type de croyances, moins ils ont tendance à aller s'engager dans ces comportements comme ici, par exemple, les jeux de hasard. Ce que je veux dire ici, à l'inverse, c'est que ce sont les gens certainement les plus intuitifs qui ont tendance à arborer le plus ce type de croyances. J'ai choisi trois exemples que je vais vous passer et après on essaiera de discuter un petit peu ensemble de tout ça. Le premier, ce sont les croyances romantiques. Alors, les croyances romantiques sont très intéressantes parce qu'elles nous aident, elles nous sont très utiles, notamment en début de relation. Sauf que finalement, ces croyances romantiques, ce sont plus des croyances psychologiques plus qu'elles ne sont réellement sous-tendues par des phénomènes biologiques. Elles sont très nombreuses. L'amour au premier regard. Alors, le coup de foudre, il a été montré qu'il n'existait pas, en tout cas, il n'existait pas de manière bilatérale. Le fait de penser que l'amour dure pour toujours. Il faut comprendre que certaines personnes ont ces croyances. Alors, mon discours est un petit peu pessimiste, mais en France, par exemple, près de la moitié des mariages finissent en divorce. On est à 45%. Qu'il y a un seul vrai amour. Quelle est la probabilité que nous le trouvions dans notre vie? Ou encore que la personne aimée est parfaite. Je vous laisse juger là-dessus.
Alors, voyons voir qui sont les individus qui croient à ce type de croyance. Vous avez ici un abscisse, et maintenant je ne présenterai que des graphiques comme ça, certainement bien plus simples à appréhender. Un abscisse, ce qu'on appelle le score OCRT. Le score OCRT, c'est une mesure de notre style de raisonnement. Plus je suis vers la droite, plus je suis analytique, et vous l'avez compris, plus je suis vers la gauche, plus je suis intuitif. En ordonnée, on a le score, notre adhésion à ces croyances romantiques. Les résultats ici, ils sont très clairs. Je pense que vous les avez déjà saisis. Plus je suis analytique, moins j'adhère à ces croyances. En fait, ces croyances, elles sont également ce qu'on appelle épistémiquement suspectes. On a vraiment peu de données. On n'a pas d'assises réellement scientifiques qui sous-tendent la véracité, l'existence de ces croyances romantiques. Ce que je vous montre là, on l'a testé bien entendu avec toute une batterie, de mesures d'échelle du style de raisonnement. Les résultats sont systématiquement cohérents. Je vous présente un petit peu la même chose, si ce n'est que l'échelle de raisonnement diffère. On est ici sur les croyances en intuition, qui mesurent une disposition de pensée. Ce que les résultats nous montrent, c'est que ce sont les individus qui ont le plus foi à leur propre intuition, qui endossent le plus, encore une fois, les croyances romantiques. Vous comprenez qu'à l'inverse, la chose est vraie aussi. Les personnes qui sont plus prudentes par rapport à leurs propres intuitions, ce sont celles qui vont endosser le moins ce type de croyances. Je continue avec un deuxième exemple qui est d'actualité, à savoir la question du changement climatique et notamment le climato-scepticisme. Cette question, elle est intéressante et elle m'intéresse en particulier parce que les données scientifiques, elles vont toutes dans le même sens. 90% des chercheurs alors actifs sur la question du climat sont d'accord avec les conclusions qui ont été données par le GIEC, vous savez. Le GIEC, excusez-moi, c'est le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui sont d'accord avec les conclusions qu'il y a l'existence du changement climatique et notamment sur son origine anthropique, comme quoi l'activité humaine, les êtres humains, nous serions à minima en partie responsables du changement climatique. Malgré tout, il y a une grande réticence vis-à-vis de l'existence même du changement climatique. Alors ce que j'ai fait, je pense que vous l'avez compris, j'ai étudié comment notre style de raisonnement pouvait intervenir là-dedans, mais je n'ai pas étudié que ça. J'ai étudié en fait toute une constellation de variables qui sont toutes liées bien entendu à notre raisonnement pour essayer d'en apprendre un petit peu plus et tirer ce qu'on appellerait un portrait cognitif des individus qui croient au changement climatique et des individus qui sont plus réticents à l'existence du changement climatique. Donc la question du raisonnement, je viens de le dire, ça fait moins de surprise. Mais également, j'ai questionné les connaissances des individus. Alors, typiquement, on le fait avec ce type de questions. L'augmentation de la température mondiale au cours du siècle dernier a été la plus importante des 1000 dernières années. Et on demande aux participants de dire est-ce que c'est vrai ou faux, ça, sur toute une diversité d'énoncés. Chose importante, c'est qu'on analyse aussi la confiance qu'ils vont avoir dans leur réponse. Après chaque réponse au problème, on leur demande d'indiquer à quel point ils sont sûrs que la réponse qu'ils viennent juste de donner, elle est correcte. Ça va nous apprendre aussi certains éléments que je garde pour un petit peu après. La troisième chose qui m'a intéressé, c'est de comprendre le lien entre nos idéologies, nos idées politiques et notre raisonnement. En particulier, la question elle est d'autant plus importante chez des participants américains, chez qui alors la confrontation entre guillemets libéraux-conservateurs est particulièrement importante sur la notion du changement climatique, les conservateurs étant généralement beaucoup plus sceptiques sur l'existence du changement climatique. Voilà les résultats. Vous avez ici une première mesure de notre style de raisonnement. Qu'est-ce qu'il montre ? Plus je suis analytique, moins j'adhère, moins je suis climato-sceptique. Je resterai prudent, je dirais plutôt moins j'adhère aux croyances sceptiques vis-à-vis du changement climatique. Pour continuer, les connaissances sur le climat, alors il me semble qu'ici le résultat est très très clair, donc plus je suis vers la droite, plus j'ai de connaissances vis-à-vis de la question du climat et du changement climatique, les individus qui ont le plus de connaissances, ce sont ceux qui sont le moins sceptiques vis-à-vis de la question du changement climatique. Chose qui est importante ici, je vous ai dit qu'avec les connaissances, nous étudions aussi la confiance que les individus ont vis-à-vis de leurs connaissances. Ce que montre ce dernier graphique en bas, eh bien, c'est que ce sont les individus qui ont le plus confiance et qui ont le plus surconfiance en leurs connaissances qui sont les plus sceptiques vis-à-vis du changement climatique. Ça veut dire quoi ? Ce sont des individus qui pensent savoir, mais qui ne savent pas réellement. Mais le simple fait de penser savoir, ça discrédite totalement la parole des scientifiques.
et ils deviennent plus sceptiques vis-à-vis, encore une fois, l'existence du changement climatique. Et dernier élément, je vous disais, je m'intéressais à savoir comment l'idéologie aussi pouvait interagir avec nos questions de raisonnement. Vous avez ici un dernier graphique sur le climato-scepticisme et l'idéologie politique. Ici, nous revenons sur notre mesure de raisonnement, sauf que cette fois-ci, nous la voyons pour différents partis. En l'occurrence, la droite en rouge pour les libéraux, la droite en bleu pour les conservateurs et la droite en vert pour les modérés. Nous, ce qui nous intéresse en particulier, c'est de comparer les droites rouges, libéraux, et droites bleues, conservateurs. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que, quelle que soit notre idéologie politique, notre raisonnement, il nous prémunit un petit peu du scepticisme. Plus je suis analytique, moins je suis sceptique. Il nous prémunit un petit peu, certes, mais un petit peu moins chez les conservateurs. Et on comprend ici la chose, parce que chez les conservateurs en particulier, l'idéologie, elle se retrouve ici opposée, justement, à ses capacités réflectives, à ce style de raisonnement analytique. Je continue avec mon dernier exemple avant d'ouvrir un petit peu la question. Quelque chose qui est particulièrement d'actualité, la vaccination, et en particulier la vaccination dans le contexte de la Covid-19. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les données semblent suggérer que la vaccination est efficace. On le voit juste sur le nombre de lits qui sont occupés en service de réanimation. Ils sont beaucoup plus occupés par des personnes non vaccinées que par des personnes vaccinées. Ça n'empêche pas, malgré tout, que certaines personnes ont toujours des réticences vis-à-vis de la question de la vaccination. Alors, j'ai essayé de comprendre quels étaient aussi les ressorts en utilisant des variables déjà présentées avant, mais ce que je veux, c'est vous en présenter des nouvelles aussi pour montrer comment on peut arriver à dresser des portraits cognitifs et que l'on espère les plus complets possibles. Déjà, demander aux personnes à quel point ils croient en l'existence d'un complot directement lié à la vaccination, et j'insiste bien, à la Covid-19. On utilise des questionnaires qui sont validés de ce type. Le virus a été créé génétiquement dans le cadre d'un programme d'armes biologiques. À quel point pensez-vous que ce soit vrai ? Également, la croyance à la science, quelque chose que j'ai étudié aussi pour le climato-scepticisme, que je n'ai pas pris le temps de présenter. On comprend qu'il y a une crise de la confiance actuellement, que beaucoup d'individus en fait émettent beaucoup de doutes vis-à-vis des résultats, vis-à-vis des données scientifiques. Pour mesurer ces croyances à la science, nous avons encore une fois des échelles avec des questions de ce type. La méthode scientifique est le seul chemin fiable vers la connaissance. À quel point êtes-vous d'accord ? Une mesure peut-être un petit peu plus exotique qui s'appelle le besoin d'unicité. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le besoin d'unicité, ça marche avec beaucoup de choses. Il y a une catégorie de personnes qui aiment bien avoir des objets, par exemple, uniques. Moi-même, qui fais de la guitare, j'ai des guitares de luthier. Je sais qu'elles sont qu'à moi, que les autres ne les ont pas. Si je dis ça, c'est que ce phénomène-là, il apparaît aussi pour la pensée. Certaines personnes ont un besoin de se dire que leur pensée, elle est unique ou à minima, elle va différer de la pensée majoritaire. C'est ce qu'on appelle le besoin d'unicité. On peut le capturer de la sorte suivante, avec ce type d'exemple. Être différent pour moi est pas du tout important, légèrement important, extrêmement important, etc. Et enfin, la dernière mesure qui m'a intéressé, c'est ce qu'on appelle, je ne traduirai pas, le pseudo-profound bullshit. En gros, c'est la réceptivité qu'ont certains individus en des messages qui paraissent très forts, qui paraissent très profonds, qui sont syntaxiquement corrects, mais qui en réalité, en termes sémantiques, ne véhiculent aucune information. Un sens caché transforme une beauté abstraite inégalée. Waouh ! Et on demande aux participants à quel point trouvez-vous ce message profond. J'en viens maintenant au résultat. Plus de surprise, les personnes qui sont les plus analytiques sont celles qui ont une attitude la plus positive vis-à-vis de la vaccination. Je reste prudent, toujours dans le contexte de la Covid-19. Ce score au CRT, il prédit également la croyance en l'existence d'un complot. Vous voyez, c'est écrit petit, je m'en excuse, mais moi j'ai du mal à me lire ici. Ça veut dire quoi ? Plus je suis analytique, moins je crois en l'existence d'un complot. Alors vous verrez qu'on fait attention avec les graphiques parce qu'ils nous font dire finalement un petit peu ce qu'on veut. Je ne suis pas en train de dire que les personnes intuitives, elles sont complotistes, loin de là. On reste à des niveaux qui sont quand même relativement faibles. Et ça, j'y reviendrai peut-être après pour modérer, mine de rien, un petit peu ces propos. Malgré tout, on voit ce qu'on a à faire à ce que l'on appelle une corrélation qui est négative. Ce sont les plus intuitifs qui ont tendance à le plus endosser la croyance qu'il y a à l'existence d'un complot, que peut-être le Covid, c'est une arme bactériologique.
Je continue, le CRT, eh bien, il est aussi lié à notre besoin d'unicité. En fait, ce sont les personnes qui ont un style analytique, qui ont le moins besoin d'avoir une pensée différente des autres. Et enfin, ce besoin d'unicité, eh bien, par rapport à l'attitude à la vaccination, plus j'ai un grand besoin d'unicité, moins j'ai une attitude positive vis-à-vis de la vaccination. Et ce sont les personnes qui ont le moins besoin d'unicité, qui ont le moins besoin de se paraître différentes des autres personnes, qui sont les plus positives vis-à-vis de la question de la vaccination dans ce contexte. Dernier résultat, mais il ne me semble pas des moindres, je vous parlais de ce concept de pseudo-profonde bullshit. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit ici? Et c'est intéressant, je pense, avec toutes les fake news actuellement, c'est que plus je vais être réceptif à ces messages pseudo-profonds, qui ne veulent en fait rien dire, plus je vais avoir tendance à croire à l'existence d'un complot lié à la Covid-19. Alors, toutes ces variables qui sont liées au raisonnement, en fait, elles font référence à quelque chose, à ce qu'on appelle des biais cognitifs. Je vous laisse regarder un instant ce tableau avec des personnes. Est-ce que vous sauriez me dire, d'après vous, est-ce qu'il y a plus d'hommes ou de femmes dans ce tableau? Alors, je vois le temps qui défile et j'ai peur que ça ne marche pas ici, ce serait très dommage. Lorsque je pose cette question en amphithéâtre, les étudiants, pour la majorité, proposent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Pourquoi ce résultat il apparaît? Parce que vous comprenez bien que les femmes qui sont ici, ce sont des personnages ou des personnes qui sont relativement connues. Chez les hommes, ce sont des amis à moi. Alors pour l'occasion, j'ai changé quelques lettres, bien entendu. Ça, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. C'est intéressant le biais de disponibilité parce que ça permet d'expliquer pourquoi, par exemple, si on parle du climato-scepticisme, si on demande à des individus de dire « d'après vous, aujourd'hui, est-ce qu'il fait plus chaud ou moins chaud qu'à la normale ?», la réponse qu'ils vont donner va avoir un effet sur leur réceptivité par rapport au changement climatique. Ça veut dire quoi? Les individus qui, sur un jour donné, pensent qu'il fait un petit peu plus chaud que d'habitude, de suite après, ils vont être beaucoup plus sensibles à la question du changement climatique. Les individus qui pensent qu'il fait plus froid qu'à l'habitude sont moins sensibles. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur une information qui est très rapidement disponible à la conscience. C'est un biais cognitif. Également, je vous ai dit précédemment que je m'intéressais aux connaissances et aux croyances qu'ont les individus sur leurs propres connaissances. Il y a ce fameux biais de surconfiance. Alors très généralement, lorsqu'on en discute, on le met en lien avec ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, qui est le suivant. Lorsque l'on commence à apprendre quelque chose, lorsqu'on est débutant, eh bien très rapidement, on va avoir cette illusion d'être presque expert, de connaître beaucoup de choses. Ce n'est pas le cas du tout. En fait, on a tendance à exhiber ce biais de surconfiance. On arrive sur ce que l'on appelle la montagne de la stupidité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est surconfiant par rapport à nos connaissances, mais je le disais précédemment, on a tendance à sous-estimer les connaissances des experts. Et puis, plus je vais m'engager, plus je vais acquérir de connaissances ou de compétences, plus je vais comprendre en fait que le problème est certainement bien plus complexe que ce que j'en voyais précédemment. On va atteindre ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. Et c'est en continuant d'acquérir des connaissances et des compétences que l'on va consolider nos connaissances, nos savoirs, ce plateau de la consolidation. Et notre confiance en nos connaissances, cette fois-ci, eh bien, elle va être beaucoup plus réaliste. Et ici, le point qui est aussi important, c'est qu'il faut avoir acquis, un certain nombre de connaissances ou de compétences pour se rendre compte que précédemment, j'étais totalement dans l'erreur. Le biais d'optimisme. Le vaccin, non merci, je suis pas en forme. Le biais d'optimisme, il est aussi très important sur le fait de penser que les choses graves ont plus de chances d'arriver aux autres en fait qu'à moi-même. Sauf que ce n'est pas vrai. Il y a des études malgré tout qui montrent que les personnes qui font preuve d'un biais d'optimisme, elles sont résistantes au changement. Ça veut dire quoi? Si je suis quelqu'un qui pense que j'ai une probabilité de 20% de contracter la Covid-19, si maintenant les données viennent me dire non, c'est pas 20%, c'est 30%, je vais avoir beaucoup plus de mal à réviser mon jugement vers le haut, vers quelque chose qui est moins optimiste, que si on me disait « Non, c'est pas 20%, t'as juste 10%. » Le biais d'optimisme. Petite chose, on le voit plus chez les hommes que chez les femmes. Le biais de confirmation, je le passe très rapidement, c'est certainement un biais que l'on entend partout, à savoir l'idée que l'on va systématiquement, très rapidement, aller chercher des informations qui ont tendance à confirmer notre pensée, plutôt que des informations qui vont nous mettre en danger, qui vont mettre nos croyances en danger, qui pourraient invalider ou infirmer.
Le changement climatique est un complot. Je le sais, je l'ai lu sur théorieducomplot.org. Et enfin, un dernier biais, l'illusion du parieur. Alors ici, je vous demande d'imaginer un lancer de pièces suivant, hein, de pièces non truquées. La suite est comme suivant, pile, face, pile, 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 face, pile, 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 etc. Et on demande généralement aux individus, d'après vous, quelle est la probabilité ou qu'est-ce qui a le plus de chances en termes de lancer d'arriver par la suite. Généralement, ceux qui tombent dans cette illusion du parieur, ils vont avoir tendance à dire qu'il est plus probable qu'il y ait une face, le côté face qui sorte. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu beaucoup de piles, parce qu'il y a eu une succession d'événements qui paraissent sûrement beaucoup plus importants que ce à quoi on s'attendait ici. Ça, c'est l'illusion du parieur. C'est typiquement quelque chose qui peut arriver lorsqu'on entend, ou que je peux entendre autour de moi, mais j'ai attrapé la Covid plusieurs fois, il n'y a plus aucun risque. Parce que la justice cosmique va faire quelque chose. Non, ce n'est pas le cas. En fait, des biais cognitifs, il y en a des dizaines. Ici, Buster Benson a proposé de créer ce qu'on appelle un codex. Il en a rassemblé 188 qui seraient censés répondre à différents problèmes. En vérité, il y en a plus de 250 et certainement encore beaucoup à figurer, à découvrir. Alors se pose la question, on a tous des biais cognitifs, mais justement, pourquoi ils sont là? Ces biais cognitifs, certainement, ils ont dû avoir, à un moment donné, à un moment de notre évolution, ils ont dû avoir une certaine utilité. Lorsqu'on en parle, on a tendance à dire que notre cerveau, il est adapté, mais il est adapté à l'âge de pierre. Ça veut dire quoi? Posons-nous la question sur nos ancêtres, quels étaient leurs problèmes, leurs contraintes? Il y avait des contraintes physiques, le fait d'arriver à trouver de la nourriture pour se nourrir, le fait d'éviter les prédateurs, d'éviter de se faire piquer, etc. Des contraintes également sociales, hein, coopérer, trouver des partenaires pour se reproduire. Alors, je ferai l'économie de vous le poser directement, mais généralement, à partir de là, on dit, qui c'est qui a peur des araignées? De manière générale, on retrouve un certain nombre de personnes qui ont peur des araignées. Si je posais la même chose, qui a peur de la voiture, je pense que beaucoup moins de personnes auraient tendance à lever la main. Ça nous intéresse parce que dans le monde entier, par an, il y a à peu près 1 400 000 de morts par accident de voiture. Par an, par piqûre d'araignée, alors les sources ne concordent pas systématiquement, on est entre quelques dizaines et quelques centaines de morts. On comprend bien que la voiture, elle tue, incommensurable, beaucoup, beaucoup plus que l'araignée. Et malgré tout, on a peur de l'araignée. Ce qui se passe, c'est que certainement la phobie que nous avons de l'araignée, c'est quelque chose qui a été sélectionné, qui a été évolué. Peut-être que chez nos ancêtres, les personnes qui avaient peur des araignées, les personnes qui étaient les moins téméraires, c'était celles qui avaient le plus de probabilité de survivre, le plus de probabilité de se reproduire, et que notre crainte de l'araignée, elle est arrivée jusqu'à nous aujourd'hui. La voiture, pourquoi nous n'en avons pas peur? Parce que ça a été inventé à la fin du 19e siècle. Une possibilité, c'est que notre phobie de la voiture, elle n'existe pas encore, parce qu'elle n'a pas pu être encore sélectionnée. Alors, je continue avec un dernier exemple. C'est vrai que jusqu'à présent, j'ai donné un rôle finalement ingrat à nos intuitions, à ces biais cognitifs. La question à se poser, c'est de savoir est-ce qu'ils sont systématiquement désavantageux, nos biais cognitifs? Est-ce que dès lors qu'il y a un conflit, et j'insiste bien, eh bien, est-ce que nos intuitions nous trompent? Je vous prends l'exemple de ce chien. Imaginons, vous le voyez, et puis si des personnes aiment les chiens, vous avez peut-être envie de le caresser, ce chien. On vous dit, écoute, il y a 95% de chances que si tu caresses le chien, tu ne te fais pas mordre. Et on te dit également, alors sans surprise, il y a 5% de chances que si tu caresses le chien, tu te fais mordre. C'est intéressant, parce qu'en termes de ce qu'on appelle de raisonnement probabiliste, la meilleure réponse, ce serait d'aller le caresser. Maintenant, je pose la question suivante. Qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est de ne pas caresser le chien, de se tromper donc 95% du temps, 19 fois sur 20, et d'aller bien? Ou alors d'aller caresser le chien, de se tromper uniquement une fois sur 20, mais de prendre le risque de se faire mordre avec toutes les conséquences dommageables? Ce que je veux dire ici, c'est que nos intuitions, encore une fois, elles sont certainement aux antipodes de ce que l'on nommerait la rationalité. Elles s'éloignent certes de la réalité, mais ici, nos intuitions, elles servent à quelque chose, elles servent à notre survie. Alors, que retenir finalement de ce petit exposé? Non,
il ne s'agit pas d'un procès contre nos intuitions. C'est vrai que, et j'assume avoir parlé des intuitions un petit peu, presque de manière péjorative, en tout cas, en donnant l'illusion peut-être que, attention, restons prudents vis-à-vis de nos intuitions. J'espère que l'exemple avec le chien montre que non, nos intuitions, elles sont particulièrement importantes. Au quotidien, je le disais en tout début de présentation, ces intuitions, elles sont très utiles. Maintenant, attention, dans certains contextes, on doit être conscient que vous, que moi, nous puissions être bernés, être biaisés par nos intuitions. Il faut que l'on reconnaisse que notre cerveau, il peut nous jouer des tours. On n'est pas infaillible. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas parce que des personnes travaillent sur les biais cognitifs ou autres qu'elles deviennent forcément plus imperméables à ces biais cognitifs. Finalement, on se retrouve très vite limité, mais je pense que la première étape ici, c'est de faire de la prévention. Reconnaissons que nos intuitions peuvent nous tromper. Faisons preuve d'humilité intellectuelle. On l'a compris, nous vivons dans un monde qui est très complexe. Nos connaissances, à moins que nous ayons travaillé pendant des années dans certains domaines ou autres, nos connaissances, eh bien, assumons qu'elles sont très souvent superficielles. En fait, faisant preuve d'humilité intellectuelle, on a tous quelqu'un dans notre famille, repas ou autre, qui a été un professionnel, infectiologue, virologue, et qui en quelques semaines est devenu professionnel des questions géopolitiques. Ça, c'est le biais de surconfiance. C'est ce qu'on appelle l'ultra-crépidarianisme. C'est l'idée que nous avons trop souvent tendance à vouloir donner notre avis, à vouloir participer à des conversations, alors que très souvent, nous n'avons que peu, voire aucune compétence vraiment démontrée, aucune compétence crédible dans ces domaines. Je continue, lorsque c'est possible, prenons le temps. Prenons le temps également, faisant preuve de sagesse, on a trop souvent tendance à vouloir répondre très rapidement, à vouloir donner une réponse. Je modère bien, lorsque c'est possible, tous les contextes ne nous le permettent pas. Mais lorsqu'on le peut, bien luttons contre la loi du moindre effort, en fait. Disons-nous, prenons le temps, essayons de faire un effort de pensée supplémentaire. Ce qui m'intéresse ici, c'est que finalement, ces quelques conseils qui ne sont pas du tout exhaustifs, en fait, ils s'englobent dans la dernière idée, et je m'arrêterai là-dessus, c'est que je pense qu'il est vital, plus que nécessaire, que chacun, chacune, nous nous formions à l'esprit critique. Apprenons à raisonner, apprenons à connaître les raisonnements, les arguments, les raisonnements qui sont parfois fallacieux. Apprenons à les décrypter, apprenons à faire preuve de scepticisme dans la mesure du raisonnable. Et cette formation à l'esprit critique, j'en reste convaincu, elle est nécessaire, ça, dès le plus jeune âge. Merci beaucoup. Si je peux juste me permettre, je souhaiterais bien entendu remercier toutes les personnes qui contribuent à ces recherches. C'est moi qui les présente aujourd'hui, mais elles sont faites en collaboration avec différents collègues, qu'ils soient chercheurs seniors ou étudiants ou autres. Alors, dans le désordre, merci à Flora Schwartz, à Kim Gerouat, à Indrajit Patil, à Valentin Perrichon, Valentine Mottet, Anastasia Passemar. Si j'en oublie, je pense que personne ne s'offusque. Et je me dois impérativement de remercier une entité en particulier, l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui finance en l'occurrence une partie des travaux que moi je vous ai présentés aujourd'hui. Merci. Merci. Merci pour eux. C'est vrai que c'est toujours un travail d'équipe, la recherche. Donc, c'est bien noté. On va avoir le temps pour quelques questions. En attendant que le micro passe dans le public, moi, j'avais juste une petite question pour revenir sur un point que vous avez abordé, plutôt que vous n'avez pas abordé. C'est notre environnement plutôt social, en fait. Combien il peut jouer sur notre faculté de raisonner ou éventuellement moduler notre façon de raisonner? Est-ce que le fait que peut-être on a un environnement qui a certains types de croyances ou certaines convictions, est-ce que ça peut nous influencer, peut-être changer notre façon de raisonner? Oui, tout à fait. Alors ça, nous en sommes convaincus. Notre environnement, ce qu'on appelle la culture ou l'éducation, forcément, ils interviennent parce qu'en particulier, on indique souvent que le système 2, il est un petit peu délié de tout ça. Le système 2, il serait froid. Il n'aurait pas d'entité, il n'aurait pas de pays, pas de culture, etc. Et que finalement, tout ce qui va être de l'ordre, je le répète, de la culture, de l'éducation, de l'environnement, eh bien, ça va venir plutôt édulcorer le système 1. Donc effectivement, on va être très différent vis-à-vis de ce système 1. Mon expérience, mon histoire de vie, elle est différente de la vôtre. Et certainement, mon système 1,
il va parfois me guider sur des chemins qui ne seront pas les vôtres parce que votre histoire n'est pas du tout la même. Donc effectivement, alors, je reste très prudent là-dessus. L'idée, ce n'est surtout pas de dire ne faisons jamais confiance à notre système 1 ou attention, notre culture, notre origine, notre éducation peut venir nous biaiser. C'est plutôt d'être prudent là-dessus, de savoir que parfois, il va falloir composer et que le système 1 de quelqu'un d'autre, notamment, le dirigera vers d'autres réponses aussi. D'ailleurs, quand vous mentionniez la peur des araignées, moi, je pensais que c'était surtout quelque chose qu'on nous apprenait plutôt quand on était petit, et que c'était surtout notre environnement qui nous incitait à avoir peur des araignées, et pas tellement notre bagage ancestral. Mais peut-être je me trompe, peut-être c'est les deux. Alors, c'est très possible, effectivement. Dès lors qu'on parle un petit peu de théorie évolutionniste, de toute manière, elles sont très spéculatives, bien entendu. Mais pourquoi, la question à se poser, je pense, pourquoi on nous apprend ça? Pourquoi on nous apprend, attention, tu peux te faire piquer par des araignées? C'est peut-être là où on peut faire ce lien qu'il y a certainement quelque chose qui pourrait, je reste prudent bien entendu, provenir de nos ancêtres, de très très loin. Si on va prendre des questions, s'il y en a. N'ayez pas peur. Bonjour. Et je me demandais là une chose un peu, si l'expérience personnelle peut nous influencer en style et pas l'autre, peut-être. Peut-être l'intuition, mais pas la manière, le deuxième style. Je me demandais ça. Oui, merci. Tout à fait. Merci pour votre question. Alors effectivement, elle fait un petit peu écho à celle de Laure. Oui, tout à fait. Notre environnement, il va nous influencer. Alors peut-être pour essayer d'approfondir un petit peu, même si je suis conscient de dériver un petit peu, je pense qu'une question qui complète ça, c'est de savoir, mais alors, est-ce qu'on peut faire bouger notre style cognitif de raisonnement? Alors, c'est très important, et j'ai maintenant peut-être plus le temps, en tout cas, de l'évoquer. Il n'est pas question de dire, si c'est l'image que j'en ai fait passer à tort, hein, je dois vite de rétablir la vérité, de dire qu'on est style cognitif intuitif ou analytique. Très probablement, on navigue de l'un à l'autre. Il y a des études qui montrent la possibilité de booster le système 2 avec différents protocoles. C'est très intéressant, donc ça veut dire effectivement qu'on peut en tout cas faire bouger ce style cognitif de raisonnement. La question maintenant qui est encore inconnue, ou la réponse plutôt qui est inconnue, c'est de savoir est-ce que ces effets par des manipulations expérimentales, est-ce qu'ils durent très longtemps? Et ça, on n'a pas réellement de réponse là-dessus. Oui, bonjour. En fait, j'avais une question, peut-être que je me trompe, mais il me semble du coup, par rapport à ce que vous nous avez présenté, que les chercheurs et les scientifiques sont, peut-être pas par naissance, mais par en tout cas de leur culture et après de leur travail, boostent beaucoup ce côté analytique, puisque c'est ce avec quoi ils travaillent. Et du coup, dans ce genre d'études, comment on fait pour ce biais-là, du coup? Toutes les études et les méthodes et les recherches, elles sont quand même beaucoup faites, conçues par des pros de l'analytique. Oui, tout à fait. Alors, je ne suis pas sûr de comprendre en quoi c'est un souci. Elles sont faites parce que la personne qui est, ou le chercheur, la chercheuse sur le raisonnement, va essayer de prendre toutes ces précautions en créant le matériel, effectivement. L'idée, c'est que généralement, si les intuitions elles ont le mauvais rôle, c'est qu'on crée des problèmes dans lesquels explicitement elles ont le mauvais rôle. Maintenant, je ne suis pas sûr, ou en tout cas, peut-être que je réponds un petit peu à côté de la question, en quoi c'est un problème, ou en quoi ce serait un problème, effectivement, que les chercheurs construisent leur protocole, leur recherche, en mobilisant le système 2. Parce que le système 2, il n'est pas infaillible, il est beaucoup plus sûr. Mais à partir du moment où on arrive à compléter les processus de système 2, ce qu'on appelle dans notre jargon, à partir du moment où on arrive à bien utiliser notre mémoire de travail, il y a peu de raisons que le système 2, en fait, nous plante. Donc moi, j'aurais envie de dire, peut-être malgré tout avec prudence, si vous deviez vous fier à un des deux, partez certainement sur le système 2. Il me semble que c'est celui qui va être le plus décorrélé de toutes nos envies, nos motivations, nos croyances, etc. Oui. Vous avez abordé la question du changement climatique et les expériences que vous avez faites par rapport à ce sujet. Moi, je m'interroge. Alors, bon, vous expliquez bien que quand on est informé, qu'on a lu le rapport du GIEC, bon, on comprend le problème. Et puis d'autres profils vont être moins sensibles à cette question, voire pas du tout.
Moi, la question que je me pose dans mon quotidien, bon, c'est mon métier de porter des politiques publiques liées à cette problématique-là. Donc, effectivement, je suis convaincu de ce problème-là et des solutions qu'il faut y apporter. Mais ce qui m'interroge, c'est la question du passage à l'action. Or, autour de moi, je vois, et je me mets dans le lot, on sait l'effort à fournir pour régler un certain nombre de problèmes. Et en fait, objectivement, on est quand même largement en dessous de ce qu'il faudrait faire. Donc moi, ce qui m'interroge, c'est comment on peut être conscient d'un problème et comment on en est rendu à, finalement à ne pas agir ou peu agir ou pas assez. Oui, merci. Alors votre question, elle est particulièrement pertinente. Vous doutez bien, je n'aurai pas de réponse définitive à apporter ici. La question du changement climatique, mais encore une fois, je répondrai avec beaucoup de prudence parce que je ne suis pas un expert de la question du changement climatique. C'est en particulier que je pense qu'il a la sensation que nos efforts pris de manière individuelle n'auront aucun impact. Et je pense, encore une fois, qu'il y a une défiance vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des scientifiques aussi, sur le fait qu'on demande à monsieur et madame commun, comme nous le sommes chacun chacune, de faire des efforts et que finalement on s'aperçoit que dans les informations, ce sont quelques entreprises notamment qui sont connues, qui sont mises en avant pour elles faire la majorité, ou en tout cas une proportion non négligeable de dégâts. Je pense qu'à cette résistance, pour continuer là-dessus, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La question, elle est très délicate. Certains sont intéressés à ce qu'on appelle des incitations implicites, qu'on appelle des nudges, peut-être vous en avez déjà entendu parler. L'idée d'arriver à faire bouger des comportements juste en mettant quelques petites incitations pour lesquelles on n'est pas du tout conscient. Je peux donner un exemple, alors qu'il n'est pas le plus noble, le fait de mettre une petite mouche, un petit sticker de mouche dans des urinoirs. Eh bien, vous voyez qu'il y a moins besoin de faire passer les hommes et femmes de ménage par la suite. Ça, ce sont des incitations. Le seul problème, c'est qu'il y a des études sur la question du changement climatique qui montrent que ces incitations implicites, elles fonctionnent, mais uniquement sur des efforts qui sont très modérés. Et le problème, en plus là-dessus, c'est que les individus qui ont ces incitations vont s'engager dans ces petits efforts, mais du coup, ça les bloque pour s'engager dans des efforts qui sont beaucoup plus importants. Donc la question, elle est très pertinente, mais je m'arrêterai ici parce que j'ai l'impression qu'à ce jour, on reste encore bloqué, qu'il y a beaucoup à apporter pour répondre à ça. Oui, je voulais vous poser une question un petit peu par rapport à notre actu chaude de ce moment. C'est, est-ce que vous pourriez envisager de faire des études sur la corrélation qu'il pourrait y avoir entre une prédominance du système 1 ou du système 2 et une corrélation avec les opinions politiques ? Alors, je pourrais l'envisager, mais finalement, ce n'est pas le... L'idée de faire la recherche, bien entendu, c'est d'apporter, avec beaucoup de modestie, certes, mais de nouvelles connaissances. Elles existent déjà, ces connaissances. Elles existent déjà. Il y a des travaux qui existent en France et particulièrement aux États-Unis. Les conclusions, je me le permets, et puis par respect pour les opinions politiques, je les garderai pour moi. Mais je pense que chacun peut spéculer là-dessus. OK. Juste, je rebondis sur cette espèce d'opposition entre les intuitifs et les analystes, analytiques. Analytiques, oui. Analytiques. Est-ce qu'au final, les analytiques ont pour vocation ou devraient chercher à convaincre les intuitifs de leurs opinions ? Ou est-ce qu'au final, il faut juste apprendre à cohabiter ensemble, finalement ? C'est peut-être un peu... Oui, tout à fait. Alors, c'est pareil, ça me permet d'aller un petit peu sur ce questionnement. Déjà, je dois rester prudent sur est-ce qu'on parle vraiment de personnes intuitives ou est-ce qu'on parle de personnes analytiques ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt dire des personnes qui, dans certains cas, sont analytiques ? Oui, je parlais sur un sujet précis. Oui, oui, tout à fait. En fait, quel est notre but ? Si c'est mon but d'argumenter, partons sur le système 2, effectivement. Et encore, ça dépend avec qui. Certaines personnes vont être beaucoup plus sensibles aux émotions, pleurons pour raconter des choses. D'autres vont être beaucoup plus sensibles aux arguments. Notre but, c'est quoi ? Certainement de cohabiter, c'est d'être heureux. Est-ce qu'il y aurait forcément nécessité à vouloir essayer de convaincre, d'argumenter pour changer les autres ? J'en suis pas systématiquement convaincu. Lorsque je parle de dire, ou en disant tout à l'heure, attention, c'est que par contre, je suis convaincu qu'il faut faire de la prévention et dire, dans certaines conditions, cela peut se retourner contre nous. Peut-être rapidement, même si je m'écarte un petit peu, donc je ferai assez vite là-dessus. De ma génération, lorsque j'étais petit, il y avait des publicités à la télévision qui disaient « Envoie M au 93939
et tu verras si ton amoureux t'aime, ton ex-copain, ton ex-copine t'aime, etc. Ça s'apprête à sourire. Lorsque j'en parle aux étudiants, ils ne connaissent même plus. Mais ça, par exemple, c'est un business. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à notre style de raisonnement, eh bien, il y a des leviers là-dessus, certains les ont compris, et je joue vraiment là-dessus. La question maintenant de convaincre, de dire tu devrais peut-être plutôt être analytique ou intuitif, je resterais beaucoup plus peut-être réservé là-dessus, même si je sais que ce n'était pas exactement le sens de ce que vous proposiez. Oui, bonjour, merci de votre intervention. Alors, moi, dans ma façon de penser, il me semble que intuitif et analytique, ce sont deux qualités de l'humain. Et je pense que dans notre vie, effectivement, on a besoin des deux. Et la question, alors ça, c'était un peu ce que vous ameniez comme sujet. Moi, j'ai la sensation que les deux se complètent et ne sont pas opposés dans ma vie. C'est-à-dire que quand je peux être en train de raisonner, je peux avoir une intuition qui arrive et inversement. C'est-à-dire une intuition qui vient dans des choix que je peux faire. Et à un moment, je me dis, non, j'ai besoin de réfléchir peut-être un peu plus parce que j'ai une intuition qui arrive. Et donc la question que je me pose par rapport à votre présentation, c'est un peu cette opposition. Voilà, et il me semble qu'on a les deux en nous et que les deux sont importants. Donc pourquoi est-ce que vous avez fait le choix de les mettre en opposition ? Merci pour cette question qui est très, très intéressante. Je ne fais pas le choix de les mettre en opposition. Dans les contextes généraux, nos intuitions, elles fonctionnent très bien et très souvent, elles corroborent notre raisonnement, vice-versa. J'ai fait juste le choix de travailler dans des contextes très particuliers dans lesquels il y a un conflit entre nos intuitions et notre raisonnement. C'est vraiment ça la différence. Il ne s'agit pas de dire que nos intuitions elles vont toujours venir à l'encontre d'un raisonnement plus élaboré, d'une certaine délibération ou autre. Non, la plupart du temps, l'un et l'autre marchent entre guillemets main dans la main. Mais là où je suis prudent, c'est que dans certains cas, comme je les ai expliqués aussi, ici également, ils peuvent être en opposition. Et c'est vraiment le début de mes travaux, c'est vraiment ces situations, mais je le concède et vous me permettez de le dire, ce sont sûrement des cas qui ne sont pas si fréquents que ça. Je pense que de manière très générale, je reprendrai ce terme, les intuitions et le raisonnement corroborent, marchent ensemble. Est-ce que ça répond à votre question ? Il y a une question. Alors moi, du coup, je comprends la mise en concurrence entre raisonnement et intuition, mais je voulais avoir votre avis par rapport à mon point de vue, parce que l'intuition, c'est quand même comme une espèce de code génétique ancré à l'intérieur de nous, qui est très difficilement modifiable par rapport au raisonnement, qui lui, comme vous l'avez dit, peut être influencé par la culture, l'éducation, etc. Vous avez quelque chose à dire ? Les intuitions vont être influencées par la culture, etc. D'accord ? Plus que notre raisonnement. D'accord. Alors pourquoi est-ce que dans à peu près partout dans le monde, on peut trouver des gens qui ont peur des araignées si c'est uniquement lié à la culture ? Parce que la peur des araignées, justement, elle est liée à notre système, à notre culture, à nos intuitions, et certainement beaucoup plus que notre travail de réflexion. Typiquement, la peur de l'avion. La peur de l'avion, on sait que c'est un des moyens de transport les plus sûrs. Quelqu'un qui se poserait, regarderait les statistiques, comprendrait les outils statistiques, bien sûr, devrait arriver raisonnablement à se dire « mais en fait, je ferais mieux de sauter dans l'avion que de sauter dans une voiture ». Et malgré tout, on a cette peur, parce que cette peur, elle serait plus programmée en fait par notre système 1 que par notre système 2. Je ne suis pas expert de la question, mais juste pour compléter ce que vous disiez, il me semble avoir lu un article disant par exemple que si on voit une image de serpent, ça ne passe même pas par le cortex, ça va directement dans le cerveau reptilien pour gagner en rapidité. Donc parallèle avec les araignées. Oui, certainement. Alors je resterai très prudent. Peut-être oui, non, c'est juste pour répondre. Là, il s'agit, je pense, l'expérience que vous citez, c'est plus un réflexe en fait pour mais c'est un réflexe moteur en fait. Et ça, c'est plus le réflexe d'évitement qui passe effectivement par une boucle dans le cerveau qui du coup n'a rien à voir avec le traitement d'information tel qu'il peut être fait. On peut avoir le réflexe de se retirer et ensuite il y a l'analyse. Je me permets.
Non, tout à fait. Mais malgré tout, la réflexion, elle corroborerait, même si je comprends bien qu'on n'est peut-être pas sur le même niveau. De manière générale, on aurait tendance à dire que tout ce qui est de l'analytique, ça passerait par le cortex préfrontal, notamment. Et qu'effectivement, certains travaux, alors je resterai encore une fois ici très prudent parce que je pense que j'arrive aux limites de mes connaissances, on passe plus sur des aspects neuraux que je ne maîtrise pas, mais montreraient que les intuitions en fait, activeraient beaucoup moins ces zones préfrontales, hors dorsolatérales, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'imagerie cérébrale, on a des indicateurs comme quoi ce ne sont pas les mêmes réseaux, ce ne sont pas les mêmes structures qui sont plus ou moins activées en fonction de ce qu'on utilise. Alors moi, je voulais juste vous demander par rapport à un des derniers points que vous avez abordé dans votre présentation, le fait de peut-être prendre du recul, de prendre le temps, de ne pas répondre. Pourquoi, en fait, on veut toujours répondre ? Pourquoi l'être humain a tendance justement à donner son avis, à dire plutôt oui ou plutôt non, et très rarement, enfin, c'est peut-être une généralité, mais vouloir essayer de donner la réponse, la bonne réponse ? Bon, c'est là où je sortirai ma réponse joker. Non, ça me va. Non, je n'en ai pas la moindre idée. Donc, je préférerais ici ne rien dire. Très bien. Je crois qu'on va conclure maintenant. Merci encore à tous pour avoir assisté et avoir posé vos questions. Merci, Bastien, pour votre Merci présentation. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. On a un dernier événement au Quai des Savoirs qui nous accueille encore demain dans le cycle de conférences que l'on fait pour la Semaine du Cerveau. Je rappelle donc leur exposition Esprit Critique, Détrompez-vous jusqu'en novembre 2022. Très bonne fin de journée à tous. Merci encore. À bientôt.